Abonne-toi à MySports. Connecker. Corey Connecker, la Carlucci a éliminé Fourard d'un petit mouvement d'épaule. Le tir de Michael Fora, le but, mais... Est-ce qu'il y a eu un contact entre Isako Doty et Reto Berra? Pour l'instant, les arbitres sur la glace de but. À moins qu'on décide d'aller à la vidéo. Alors pour l'instant, on donne un but à Michael Fora. Mais les arbitres, vous voyez, sont en conciliabule. Et on va revoir tout ça. Alors ça, c'est le tir. Alors on verra pas le contact entre Doty et Berra. Et les arbitres ont dit que c'était, ouais, c'était ça le geste des arbitres. C'est que c'était un cross-check de Motet qui envoie Doty sur Berra. Et avec ces images-là, moi, je validerai le but. Je ne tenterai pas le challenge. Gunderson, le tir et l'égalisation. Est-ce que ça a été touché par Julien Schwonger? Apparemment oui, puisque c'est lui qui est félicité. Et c'est un but à 5 contre 4. Hein. On vous rappelle que Yannick Fischer était sur le banc. Il reste 45 secondes. Il restait 45 secondes à la pénalité contre le défenseur Léventin. On revoit le tir. Et c'est confirmé. Julien Schwonger qui va toucher ce puck, qui va entrer dans l'image. Elle va se retourner surtout et il touche. Ouais, regardez le puck qui partait sur la sur Yetanen et qui finalement termine au fond du but. Et Schmid, ce puck qui est récupéré par Tsverger. Tsverger sous la pression de Didomenico. Tsverger toujours. Tsverger, il a réussi à décaler Berra. Et le but pour McMillan. Le but pour McMillan qui a 1-14. Et les Léventins qui repassent devant. Et j'ai pas l'impression qu'il y a eu de contact entre Berra et un joueur léventin. Et la rage de Brendan McMillan suite à son 12e but de la saison qui redonne l'avantage aux Léventins. On va revoir tout le travail de Dominique Tsverger sur cette montée et qui résiste à Chris Domenico. Là, il y a peut-être un contact, mais c'est en dehors de la zone. Et ensuite, Berra est gêné par ses défenseurs. Pas de quoi aller à demain.